Je ne t'entends toujours pas. Saint-Esprit, soutiens Père, fais-nous grâce. Jésus, je te supplie de nous faire grâce. Donne-nous la paix, Jésus, donne-nous la paix. Trop de tourments, trop d'inquiétudes. Prophétise les actions de grâce. Ça se prophétise aussi. Prophétise les actions de grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Jésus m'a rendu muet. Tu as créé les bavards. Nyonso et Zangolou. Ramashakaya Rababosan. Rabba Shekaya Rababa, Rabba Shekaya Rabba Sete, tout est Rabba Shekayama, tout est Oh, thank you Lord for the mercy, tout est Chere Mama Bosetama, Shekaya Rabba Satema, Robo Setema Rabba Sheta. Merci Jésus, qu'une âme lève ses deux mains humblement, levez bien vos mains. Merci Jésus, frère, tiens-toi debout. Merci. Il faut respecter, honorer Jésus. Tu lèves bien tes mains. Nous allons tous prophétiser toujours des actions de grâce. Nous allons dire au Seigneur, merci pour la gloire que tu as imposée dans ma famille. Oui, celui qui croit que Jésus a imposé une gloire va le dire avec beaucoup de fierté. Les mains levées, nous le disons 7 fois. Merci Seigneur pour la gloire que tu as imposée dans ma famille. On y va, 1, 2, 3. Parle comme une porte. Parle comme celui qui croit. Parle comme un homme convaincu. Parle comme quelqu'un qui voit. Parle comme quelqu'un qui sait. La 7e fois, élève des actions de grâce. Élève des actions de grâce. Seigneur, pour cette gloire, Seigneur, mon Dieu. Cette gloire qui ne nous quittera jamais. Cette gloire qui nous accompagnera tous les jours, Seigneur, mon Dieu. Cette gloire, Seigneur, qui est en permanence sur mon nom. Merci, Jésus. Sur mon épouse, sur merci, Jésus. Cette gloire, Seigneur, merci pour la gloire que tu as déversée dans ma maison. Tu as déversée dans ma famille. Merci, Jésus. Merci, l'agneau de Dieu. Merci pour cette grâce abondante. Je la reçois et je te rends gloire. Toi qui mérites honneur, majesté, élevé en toutes choses, Père, merci pour la gloire que tu as déversée, que tu as manifestée. Merci, tu es le Dieu fidèle. Merci, tu es le Dieu qui pense. Merci, tu es le Dieu qui nous fait du bien. Rabba Shakayama, Rebaba Setayama, Robo Shakayama, Yerabba Sata. Merci Jésus. Thank you, Lord. Lève ta main droite. Tu vas bénir ta famille. Autant de force que tu as pour bénir ta famille, il faut avoir de la même force pour rendre grâce à Dieu. Il faut savoir dire merci. Bénis ta famille. Déverse grâce abondante. Vas-y, prophétise. Jérama Shakayababo. Rabasatayama. Yareba Setema. Robababa Satababo Shaka. Rababa Sata. Je bénis. Je bénis abondamment. Je bénis puissamment ma famille. Je bénis gravement ma famille. Sharababa bosetebe. Rakayama bosetema. Romos timaya estimai. Rikeyamabo. Robosetamai. Je déclare la bénédiction. Je déclare la bénédiction. Je déclare la bénédiction. Une faveur exceptionnelle. Une grâce exceptionnelle, une chose nouvelle, une chose qui n'a jamais été, je l'appelle et je l'impose dans ma famille. Saint-Esprit,
Merci de déverser tes grâces. Merci de bénir. Merci d'agir. Merci d'accomplir. Merci puissant de Jacob, car tu fais ces choses par ta grâce. Tu accomplis ces choses par ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons déclarer une phrase prophétique. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est venu pour sa famille. Si tu es venu en balade, c'est dommage. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour sa famille. Nous allons déclarer une phrase prophétique. Voici la phrase. Merci Seigneur de visiter ma famille cette année. Je suis d'accord avec moi-même. Va déclarer merci Seigneur de visiter ma famille cette année. Que l'Éternel t'aide, que tu ne sois pas l'obstacle de ta famille. Dieu t'a envoyé, mais toi tu n'as même pas la force de prier. Que Dieu t'aide, que tu ne sois pas l'obstacle de la bénédiction de ta famille. Nous le déclarons cette fois. Seigneur, merci pour la visitation cette année. On y va. 1, 2, 3. 2. Avec conviction. 3. 4, Rabo 5, 6, 7, prophétise la visitation de la famille. Prophétise sur ta famille. Visitation abondante. Visitation abondante. Che Rababo, c'est Mamabos. Chakaya Rababo, c'est Mamabos. Robobo sete mar e babo sete Sharakaya mabo se mai Shera babo sete mai Rakaya mai. Merci de visiter la famille cette année. Merci de visiter ton église cette année. Le Dieu de grâce. Merci de visiter notre nation cette année. Le rocher des âges. Le maître fidèle. La grâce des hommes. Rabashe kayabo. Raba sete mabost, rekaya mabosete, robobobo sitimai. Oh le Dieu puissant, merci Saint-Esprit, merci le rocher des âges, de visiter, de visiter, de visiter. Au nom de Jésus, merci Père de déverser tes grâces. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Nous avons nos deux mains levées, s'il vous plaît. J'espère que tu vérifies qu'il n'y ait personne assis dans la salle. Parce qu'il ne faut pas être sorcier de ces lieux. Il faut être celui qui allume la braise avec tout le monde. Nous allons recommander Goma entre les mains du Seigneur. Que Jésus donne la paix. Que Jésus soutienne toutes ces personnes qui se retrouvent sans abri. Que le Dieu de cette nation impose la tranquillité là-bas. Je ne t'entends toujours pas. Saint-Esprit, soutiens Père, fais-nous grâce. Jésus, je te supplie de nous faire grâce. Donne-nous la paix, Jésus, donne-nous la paix. Trop de tourments, trop d'inquiétudes, trop de tumultes, donne-nous la paix. Jésus, Jésus, intervient. Intervient pour mes frères, mes sœurs, qui ne savent pas où dormir. Le Dieu de grâce, les enfants, je te supplie, Saint-Esprit, d'intervenir. Impose ta paix, Père, dans cette contrée. Le Dieu de notre salut, le Dieu de notre foi, le Dieu de notre force, le Dieu qui fait les choses bonnes en son temps. Jésus, fais-nous grâce. Père éternel, manifeste-toi, le Dieu qui exauce les prières. Bonjour et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, notre vidéo a parlé du thème « Tu n'auras pas de résultat si tu ne pries pas beaucoup ». Qu'est-ce que la Bible nous recommande à propos de la prière? La Bible nous dit que la prière est l'arme du chrétien. Alors, toute personne qui a une arme, alors il peut faire quoi? Il peut dégager tout ce qui est sur son chemin. Toute personne qui détient une arme est une personne forte.
qui peut aller dans tous les combats et ne pas avoir peur parce qu'il a la clé qu'il faut pour combattre. Donc, la première des choses que le pasteur nous a enseigné dans cette vidéo est que nos résultats que nous avons aujourd'hui dépendent de quoi ? De nos prières. Donc, ce qui veut dire que les résultats que nous avons escomptés aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui comme résultat dans notre vie, révèle la capacité de prière que nous avons pu gérer depuis un bon moment dans notre vie, ou bien depuis que nous avons conscience de la chrétienté. Et la deuxième des choses qu'il a parlé, qui est très important aussi, est que nous devons aimer la prière. Nous devons aimer la prière. Christ aime la prière, donc nous qui sommes les suiveurs de Christ ou bien les engendrés de Christ, nous devons également aimer la prière parce que la prière est le seul moyen par lequel le chrétien peut passer pour réussir sa vie chrétienne. Il est temps que nous révélons dans notre chrétienté que tout est possible. Que tout est possible dans la vie chrétienne. Ce n'est pas forcément que tu dois être un païen ou bien quelqu'un qui ne adore pas Dieu pour devenir riche, par exemple. La richesse aussi est dans la chrétienté. Et c'est Dieu même qui bénit plus que toute chose. Vous comprenez? Donc nous devons aimer la prière et demander des choses à Dieu dans la prière parce que nous aimons ce Dieu-là. Et la troisième des choses est que nous devons prier aussi longtemps. Longtemps possible. Si vous priez longtemps, alors vos résultats vont durer dans votre vie. Mais si vous priez, peut-être le matin tu te lèves, tu te dis que bon, Seigneur bonjour. Vous voyez par exemple des prières banales, Seigneur bonjour et merci de m'avoir réveillé. Non, ça ne marchera pas parce que ta capacité de prière, ton volume de prière sera égal à tes résultats. Donc si tu pries longtemps, donc tes résultats vont durer également longtemps. Donc tes résultats peuvent aller jusque sur des années. Vous comprenez? Il y a des prières que nous avions faites en 2015. Aujourd'hui, les prières sont fonctionnelles. Il y a des prières que nous avions fait en 2020 récemment et c'est fonctionnel. Ça dépend de ces cris que nous avons adressés à Dieu dans notre prière et du temps que nous avons passé avec Dieu dans notre intimité avec lui. Donc il y a des choses que l'on reçoit sans passer même par des hommes de Dieu. Je te donne un exemple. Si tu es un homme, une femme de prière ardente, il y a des choses que tu vas recevoir que tu n'as pas besoin d'une imposition de main, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour prier pour toi. Juste parce que tu es un homme, tu es une femme de prière, alors ce sera parfaitement exaucé pour toi parce que le Saint-Esprit qui est en moi, le pasteur Joël, bien sûr, j'ai suivi un de ses enseignements qui a dit « Le Saint-Esprit qui est en moi n'est pas différent du Saint-Esprit qui est en toi ou bien en ce pasteur. » C'est juste que le pasteur a amplifié son Saint-Esprit par la prière constante qu'il faisait ou bien qu'elle faisait. Alors moi aussi, je peux devenir ce genre de personne juste en amplifiant les jours ou bien les longueurs de prière dans ma vie qui peuvent me permettre d'avoir des résultats parfaits que celui du pasteur que je suis tous les jours. Et la clé de la réussite chrétienne, c'est la prière, sans blaguer. Et ici, ce que nous devons aussi garder est que vous ne pouvez pas garder vos bénédictions sans la prière. Il y a des bénédictions qui vont venir dans ta vie. Et quand ces bénédictions arrivent et que tu vois que bon, maintenant j'ai reçu ce que je voulais, tu arrêtes la prière. C'est ça, c'est comme un court-circuit, vous voyez. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais quand vous ne priez pas, c'est comme une vase remplie d'huile, qu'on puise toutefois de l'huile dans cette vase-là. Okay? Mais si on ne remet plus encore d'huile dans la vase, ce qui veut dire que la vase sera vide. Et toutes les prières que nous avions faites, si on ne recharge plus encore la batterie d'un téléphone, la batterie sera faible. C'est également la même chose dans la vie chrétienté. Tu ne peux pas garder tes bénédictions pour un temps long si tu n'as pas cette diligence de prier. Si tu n'as pas cette diligence de prier longtemps, de prier, de rester dans l'intimité avec Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est très important que nous gardons nos bénédictions de tous les jours par la prière. Par la prière. Donc, soyons capables de les garder. C'est très important. Capables de garder les bénédictions qui viennent sur notre chemin. Capables de garder tout ce que Dieu nous a donné par la puissance de la prière. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans une nouvelle section.